Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nolan. Bonjour Nolan. Bonjour. Est-ce que tu peux un peu expliquer à nos téléspectateurs ce que tu fais ici chez Vélizy TV? Donc je suis actuellement chez Vélizy TV car je suis actuellement en première générale et j'envisage dans le futur à devenir journaliste. Et ça y est, dans un an et demi, ça y est, c'est fini le lycée, c'est fini les petites écoles. Maintenant, c'est parti pour les grandes écoles. Et voilà, je pense que c'est le bon moment d'aller à Vélizy TV. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as fait cette semaine chez Vélizy TV? Et bah cette semaine, j'ai écrit un article de presse sur le club loisirs et artisanat à retrouver sur le site de Vélizy TV. Et j'ai participé à un reportage que vous découvrirez dans quelques minutes sur le JT. Et justement, je vous laisse entre les mains expertes de Nolan pour ce sommaire du JT du 25 février. Pendant une après-midi, Vélizy TV a suivi un groupe de retraités issus de l'association Gymnastique Volontaire lors d'une session de marche nordique. Depuis le 15 février, la médiathèque de Vélizy organise une exposition sur comment fabriquer une BD. Découvrez quelques images. Pour terminer ce JT, nous poursuivons notre série Food Truck à la découverte de la gastronomie kazakh. Découvrez la fabrication d'une bande dessinée avec Astrid Bromure, l'héroïne de Fabrice Parm. De l'imagination de l'auteur à celle du lecteur, découvrez tous les secrets pour comment fabriquer une BD. Les Français sont friands de bandes dessinées. Chaque année en France, plus de 50 millions d'albums sont vendus. L'indétrônable Astérix et Obélix, le classique Lucky Luke ou encore le Cancre du Cobu. Les Français raffolent des planches et en ce début d'année, la médiathèque a tenu à mettre la bande dessinée à l'honneur en y consacrant une exposition. Alors l'exposition, elle traite de toutes les étapes importantes de la fabrication de la BD. Donc au moment où l'auteur imagine dans sa tête son scénario et jusqu'à au moment où on l'a dans les mains physiquement. Donc on va avoir toute la chaîne du livre, donc tous les maillons qui vont contribuer à faire la BD. Donc on va passer donc de l'auteur, illustrateur, coloriste, par exemple l'attaché de presse. Enfin, il y a tout plein de métiers qu'on va découvrir. À travers la voix d'Astrid Bromure, personnage de l'auteur et illustrateur Fabrice Parm, entrer dans les coulisses de la fabrication d'une bande dessinée, de l'écriture du scénario à la colorisation des images, en passant par la maquette et jusqu'à la distribution en librairie, la médiathèque propose aux enfants et aux familles un accès libre à cette exposition pour découvrir la BD et entrer dans le monde d'Astrid Bromure. Et la médiathèque regorge de bandes dessinées. Mais Alice, quelle est celle que tu nous conseillerais en ce moment? Je recommande cette BD qui s'appelle donc La baie de la Quicorne de Cathy O'Neill. Donc c'est un peu une ode écologique. Donc ça aborde la protection en fait des océans, des coraux. Et ce qui vient à la suite, c'est de la lecture. Il y a un petit dossier pour aller un peu plus loin. Et en fait, voilà, ça explique un peu ce que c'est le corail, comment le préserver, qui habite dans les coraux. Enfin, voilà. Derrière, il y a toute une sensibilisation pour la protection des océans et des coraux. Foncez découvrir cette exposition installée à la médiathèque jusqu'au 15 mars. Vous y découvrirez également une collection de livres avec tous les conseils pour réaliser soi-même sa propre BD. Et qui sait, devenir le prochain Uderzo ? La marche nordique est un sport complètement différent de la randonnée traditionnelle. Cette pratique de marche s'effectue avec des bâtons en pleine nature. Elle travaille l'endurance et le renforcement musculaire. Justine Cosman s'est prêtée au jeu et je peux vous dire que ses retraités l'ont fait suer. Comme chaque semaine, ces férus de marche se retrouvent à l'Orée du Bois pour une marche en forêt pas comme les autres. L'activité aujourd'hui, c'est une activité de marche nordique. Donc nous en avons deux séances par semaine. Celle-ci est la plus active, on va dire, la plus rapide. Elle regroupe en général 10 personnes qui sont très, très dynamiques, on va dire. Et la marche nordique a été mise en forme dans notre association il y a 7-8 ans, pas plus. Et c'est Greg, animateur au sein de l'association depuis une dizaine d'années, qui chapeaute le groupe. Après quelques étirements, c'est parti pour 1h30 de marche. La marche nordique est une discipline bien différente de la randonnée traditionnelle. Munis de bâtons, ces promeneurs marchent à une vitesse comprise entre 5 et 6 km/h et font appel à tous leurs muscles, comme nous l'explique Greg. En fait, la marche nordique, c'est de la marche rapide avec laquelle on utilise des bâtons qui vont nous permettre donc de marcher beaucoup plus vite, de faire travailler les parties hautes
et basse du corps, notamment le haut avec épaules, pectoraux, dos et abdominaux. On va venir pousser sur son bâton et en fait le fait de faire cette poussée, ça va nous permettre vraiment d'accélérer et de faire marcher plus vite. Et la poussée à chaque fois permet d'activer les muscles du haut du corps, notamment les pectoraux, les épaules et les triceps là derrière. Des pas plus allongés, une position du corps plus droite. Cette discipline fait appel à 98% des muscles du corps et permet aussi de travailler son cardio. Mais il faut veiller à bien mettre ses bâtons en arrière pour assurer la poussée et ainsi prendre de la vitesse. Mais la marche nordique, c'est ouvert à qui ? Il y a vraiment tout le monde, ça reste de la marche, hein, donc c'est, je veux dire, n'importe qui peut marcher, peut faire de la marche nordique. Alors c'est vrai que nous, à l'AGV, je crois que c'est à partir de 16 ans que l'on peut. Bon, et puis c'est vrai que quand on est plus jeune, comme moi par exemple, c'est pas trop ce qui nous intéresse encore, mais au fur et à mesure du temps, c'est vrai que c'est intéressant parce que on change d'endroit à chaque fois déjà, donc on découvre à chaque fois les forêts des alentours. On a de la chance, notamment ici dans le coin, d'avoir une très très grande forêt. Travail du corps et contemplation de paysages avec les beaux jours qui arrivent, quoi de mieux pour une belle balade en forêt. Après 15 ans comme employée polyvalente dans la grande distribution, Alina a concrétisé son rêve en créant il y a 6 mois son food truck Délice des Steppes. Un pari audacieux pour cette femme de 50 ans. Et c'est avec son bras droit que cette nomade des steppes va nous faire voyager en Asie centrale. Je suis Alina Rajev, originaire du Kazakhstan. Je suis née à Chimkent, au sud du Kazakhstan, et j'ai 49 ans. Je suis venue en France à 18 ans la première fois. Et quand j'ai vu Paris, je suis tombée amoureuse de Paris et je me suis installée à 24 ans ici en France. Et voilà, et pendant ce temps-là, j'ai travaillé à Monoprix de Meudon pendant 15 ans. C'est comme un clic, j'ai vu un reportage sur le food truck et j'ai dit bah, pourquoi pas. Nous aussi, on peut faire ça, on peut ouvrir les cuisines sur le roux. On a ouvert notre food truck Délice des Steppes il y a 6 mois. Et on peut nous trouver à Vélizy, rue Newport à midi et vendredi soir à côté du centre commercial Mozart. Est-ce que vous travaillez à côté? Oui, juste en face. Oui. Votre viande, elle n'est pas halal? Si, ça. Elle est halal, votre viande? Oui. Ah, mais c'est très bien ça. Les Kazakhs, c'est des nomades en fait. Et la cuisine kazakh, ça se fait dans des grosses marmites qui s'appellent kazan. Notre cuisine kazakh a voyagé à l'époque Union soviétique dans toute l'Asie centrale. Et nous, on continue de voyager avec notre food truck kazakh. Ça. Moi, je viens de Mongolie, c'est pour ça. D'accord. Et vous faites aussi à la viande? À la viande, oui. Ou légumes aussi? Non, non, légumes. Exclusivement viande. D'accord. Les mangeurs de viande. Et vous parlez russe? Oui, je parle russe aussi. Bah moi aussi. C'est vrai? Oui. Ah, bah la prochaine fois, on peut parler russe. Et on propose 3 entrées, 3 plats et un dessert. Surtout, je travaille avec mon associé, Ranjan. C'est mon beau-frère. Lui, il fait le plat principal. On propose le plat à plov, c'est le riz avec la viande. D'abord, on fait réchauffer de l'huile et on met de la viande. Deuxième couche, on met des oignons. Et troisième couche, c'est des carottes. Et après, on couvre tout avec le riz, les épices, etc. Ça cuit pendant 1h30. J'étale la pâte pour le ravioli à la vapeur. Et Galamjan, il fait du samsa. Thank you.
avec les salades comme d'habitude? J'ai des salades, salade olivier. C'est une salade composée macédoine, les légumes, je fais cuire et je coupe moi-même. Et j'ai des salades shimkent, c'est les salades carottes marinées, c'est la salade coréenne en fait. Et la troisième salade qui s'appelle Astana, et c'est la salade de saison en fait, il y a beaucoup de verdure, le chou vert, le concombre, les aneths. Ah, le gâteau était à tomber. C'est le dessert qui vient de l'Union soviétique. Il s'appelle Medovik. C'est le biscuit qui est fait à la base du miel et entre biscuits, il y a de la crème fraîche. Le kazakh, c'est assez original quand même, comme cuisine. Et ça m'a fait penser à mes voyages en Mongolie. Puis, ça change de tout ce qu'on peut avoir d'habitude comme alimentation rapide ou voilà, des choses pas forcément super pour la santé. Donc je suis assez contente de pouvoir revenir ici et trouver le menu et le sourire de l'Afro-Frio. Bah merci à vous, merci à vous et à bientôt, à la prochaine. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci à toi Nolan. Et bah merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et pourquoi pas à bientôt, je sais pas, dans l'avenir proche, j'en sais rien. Exactement, on se recroisera très certainement à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.